Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? J'aimerais tellement avoir le corps d'ange. Allô? Allô, mon cœur. Je suis devant la porte. Allô? Oui. Tu es seule à la maison comme tu m'avais dit, non? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Pardon, viens d'abord ouvrir la porte. Comment? Tu fais seulement 2 jours avant de venir ouvrir la porte. Désolée. J'aime ton peignoir. Ce sera facile à enlever. Merci. Je t'en prie, mon ange. C'est comment? Tu n'es pas seule? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment? Tout va bien. Mais arrête donc de me snobber. Il ne tente même pas de me dire que tu n'es toujours pas prête. Désolé. Arrête! C'est quoi ton problème? J'ai assez supporté tes caprices et tes bouderies d'enfant gâté tout simplement parce que je voulais coucher avec toi. Pour ta gouverne, c'était juste un pari avec mes potes. Dès que j'allais le faire, j'allais rompre avec toi parce que tu n'en vaux même pas la peine. Thank you.
À cette époque, tout était encore facile. Je ne suis pas celle que je voudrais être. Je suis fatiguée de porter un masque pour paraître. Je veux mourir. Ça ne sert à rien. Tu voulais le corps d'ange. Maintenant, tu l'as. Tu te trouvais laide, mais Béné, le miroir de l'âme est plus important que celui-ci. Je suis désolée. Je veux rentrer, s'il te plaît. Non! Non! Merci, Seigneur.